Faites en sorte de vous concentrer dans cette période de tempête sur vous, pas sur la tempête. Que fait un bon marin? Il regarde les vents, il garde son cap, il a la barre et il maintient le cap. Il est focalisé sur sa mission dans l'instant. Pas sur la tempête, le nombre d'éclairs, les bateaux qu'il peut y avoir. Il est focalisé. Et je sais que dans cette période, beaucoup d'entre vous, vous avez tendance à disperser, c'est ça le mot, à disperser votre énergie. Ne dépensez pas votre énergie dans des bêtises. Et encore moins en ce moment. Je sais que je vais être rude avec vous, mais la plupart du temps, vous gâchez votre énergie. Donc attention à cela, on est dans une période de tempête. Encore plus, soyez très rigoriste, surtout très rigoureux, sur l'art et la façon de savoir gérer votre temps. Pendant ces longues semaines de confinement, d'accord ? Beaucoup de gens me disaient avant le confinement, j'aimerais faire du sport, et j'ai parfois entendu, mais j'ai des enfants. Ils ont 3 mois, 6 mois, 9 mois ? Ah non, ils ont 14 et 15 ans. Tu ne peux pas faire de sport depuis 14, 15 ans ? Non. Quelles que soient les excuses que vous allez utiliser, ce n'est pas moi que vous allez pénaliser, ou vos parents, ou la société, ou votre conjoint, ou votre partenaire de vie. C'est vous que vous allez pénaliser. Parce que vous n'allez pas être fier à la fin de la journée, du mois, du trimestre, de l'année, si vous n'avez rien accompli. Vos excuses, vous allez toujours les réutiliser, les mêmes, elles sont récurrentes, mais elles vont vous sauver la face et votre ego pendant 2 minutes. Mais à la fin de l'année, ce sera rude. Et pire, à la fin de l'année, vous allez dire, c'est la faute d'eux. Il y a une première catégorie de gens. Ou deuxième catégorie de gens qui vont dire, je suis nul, tout simplement, je suis un bon à rien. Et ils vont se rabaisser. Donc soit ils vont continuer de rejeter la faute sur les autres, soit ils vont se rabaisser. Mais quoi qu'il en soit, ce sera négatif. Donc ne faites pas cela. Focalisez-vous sur vos priorités avec rigueur. Il vaut mieux passer un peu de temps à faire des efforts qu'à passer sa vie à regretter. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a vraiment des gens qui souffrent sur la planète, absolument. Mais vous qui m'écoutez en ce moment, qui pouvez vous payer Internet notamment, vous avez d'immenses opportunités autour de vous. Ces émissions, elles sont gratuites notamment. Mais c'est à vous de faire des efforts et de faire de vrais choix. De se plaindre toute votre vie, ça va fonctionner avec votre entourage. Vous allez les enfumer, les endormir. Et vraiment paraître pour une immense victime. Mais qui est la vraie victime à votre avis? Quand vous aurez 75-80 ans. Et c'est extrêmement important que vous puissiez comprendre qu'il est primordial pour vous de vous concentrer sur vous-même.